Yo les gars, c'est Télium, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'arrière-clan. Aujourd'hui on est sur le compte de Blackin pour un petit pack opening, j'espère que ça va vous faire plaisir les gars. Je vais faire un petit topo avant que la vidéo commence, enfin vraiment que le opening commence les gars. Voilà, je suis sur le compte de Blackin, il stoppe tout, donc on va mettre en jeu son compte sous forme de concours les gars. Voilà, je vais vous expliquer comment participer, c'est pas très très compliqué. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que Blackin, quand même, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment quelqu'un qui était super actif sur l'Aria au tout début. C'est vraiment lui qui m'a aidé quand même à lancer l'Aria comme avec ses streams. Il faisait vraiment du lourd au début de la chaîne avec des gros lives en multi, des gros lives en zombie et tout. Et c'est vrai que je lui suis quand même pas mal redevable par rapport à la montée de la team, surtout au début, dès le premier mois. Surtout ouais au début, au premier mois, voire jusqu'au deuxième mois environ, voilà. Il a fait quand même un grand taf dans l'Aria, donc il faut quand même le remercier les gars. Bref, donc je vais vous dire comment participer pour avoir son compte, parce qu'il le stoppe tout, donc il arrête tout, que ce soit la PS4, etc. Il vend tout, donc son compte il n'a plus besoin. Sur son compte, il y a pas mal de jeux, je crois, il y a BO3, IW Code 4, je crois qu'ils sont en téléchargement sur le jeu. Il m'a dit qu'il y a 10€ PSN, etc. Donc voilà, je vais vous dire comment participer les gars, c'est pas compliqué. Donc alors faudra déjà le follow, tu vois, c'est la base, être abonné à son Twitter qui sera en description les gars, c'est pas compliqué à créer un Twitter, ça met 2 secondes, je vous jure, c'est vraiment super facile. Donc vous allez mettre un petit Blacking la machine dans les commentaires, tu vois, et le tweet Blacking la machine sur Twitter. Donc voilà, il me dira tous ceux qui l'ont tweet, bien on sélectionnera une des personnes qui l'ont tweet. Et une autre petite condition, c'est aussi de s'abonner à la chaîne qui sera en description. Donc je mettrai la chaîne de Max, un des nouveaux streamers de l'Aria qui vraiment se donne à fond sur l'Aria. Donc c'est normal de le féliciter. Donc c'est pas compliqué, je vais répéter les gars, s'abonner à la chaîne de Max qui sera en description. Follow le Twitter de mon petit Blackin, mettre un like sur cette vidéo aussi, j'avais zappé. Tu mets un petit commentaire Blackin la machine dans les commentaires. Et tu le tweets Blackin la machine aussi sur Twitter. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc bref, je vais arrêter de blablater les gars. En tout cas, par contre, celui qui récupère le compte, j'espère vraiment que tu feras pas le gamin avec. Tu t'en serviras pas pour se faire passer pour lui ou pour insulter des gens et tout. Vraiment que tu lui niques pas sa réputation, parce que pas forcément tout le monde sont au courant qu'il a changé de compte. Et ça serait un peu stupide, que ça se termine comme ça quoi, clairement. Bref, je vais aller dans le marché noir. Voilà, il y a 622 clés, il y a 2 pots de vin, donc il y a un pot de vin arme de mêlée, un pot de vin arme corps à corps, 10 largage. Bref, voilà, donc je vais regarder un petit peu les armes qu'il a exactement pour voir ce qu'on pourrait choper d'intéressant. Donc déjà en mitraillette il a le bric au pistolet, donc ça serait cool de choper une des deux déjà. Après ensuite il a la Peacekeeper, la FFR, donc je pouvais pas pack une Peacekeeper, ça serait cool de pack ça. Il a pas le Banshee, il a la batteuse, ouais. Il a interdiction, il a pas le DBSR. Ensuite il a pas les 2 armes, ouais, ok. Il a le L4 siège de mort. Il a à peu près la moitié des armes de mêlée, un petit peu moins. Il a le NX, il a pas ça, bon ok, il a à peu près la moitié des armes. Bon, on va voir ce qu'on peut lui pack les gars, on va commencer par le double quotidien. Je vais essayer de me grouiller un petit peu parce que si la vidéo dure 15 minutes, clairement ça sera pas top top. Donc bon, dévastation sur la BRM. Ok, bon, des petits trucs de merde. Hein. Enfin, de toute façon, la base. Hein. Argus, la crosse, DAC. Hop, on va passer directement au largage de 30. Petit chaleur sur la Kuda. Bon, le petit largage qui fait pas plaisir. De standard et un rare. Bon. Ok. Monochrome sur l'ICR, DAC, c'est pas dégueu comme camouflage. Mais bon, ce qu'on veut c'est des armes, hein, vous le savez tous. Hop. Petit sur le Black Cell. Chargeur rapide sur l'ICR, c'est vrai que c'est pas mal ça franchement. Petit sur le Dracon. Rituel sur la Dredge, ok. BRM poignée, bon, pour l'instant rien de ouf, mais bon, c'est des trucs normaux de toute façon, c'est normal. J'espère pas franchement qu'ils vont remettre des armes d'ailleurs sur BO3 les gars, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Ça fait un petit mois qu'on a eu des nouvelles armes, donc la HLX4 et je sais plus comment elle s'appelle, la LV8, ouais, intensité sur la canne, ok. Dites-moi vraiment si vous pensez qu'ils vont continuer à mettre des armes sur BO3, franchement moi j'aimerais bien parce que là j'ai pratiquement tout sur mon compte personnellement et j'aimerais bien qu'ils en remettent un petit peu, c'est vrai que ça donne de la motive de...
comment de jouer. Désolé parce que mon portable sonnait, bref, je sais pas si vous avez entendu, du coup ça m'a un petit peu perturbé. Ouais, je continue les gars, donc je sais pas si vous remettre, j'aimerais bien, franchement, parce que ça donne vraiment de la motivation, bah donner à fond pour avoir des clés de cryptage, pour choper les nouvelles armes et tout, et apporter de la diversité au jeu. Pour ma part, comme je joue que à BO3, j'aimerais vraiment qu'il continue à en mettre, en tout cas ça ferait super plaisir. KN44, ok, glace, bon c'est vrai que le camouflage est bien, clairement. Tempête Black Cell. Poignée Ergo sur la Ken. Bon ça c'est vrai que c'est pas mal sur la Ken en tout cas. Spectre. Ok. Rift 9. Bon les gars, on n'a pas qu'une arme déjà. On n'a pas que le Rift 9. C'est déjà cool, franchement, ça fait plaisir. En tout cas, celui qui chopera le compte, déjà, t'auras une arme en plus par rapport à ça. Bon, le Rift 9, c'est vrai que c'est un peu une arme pas top top, mais bon, c'est vrai que c'est toujours pas trop mal. Elle est assez fun à jouer. J'aime sur le XM53, ok. Dévastation sur la Gorgon, intensité. On a pas mal de camo. Broyeur de crâne, ok, une arme de plus. Bon, les gars, on a un petit peu de chance quand même, on va pas se mentir. Déjà deux armes. Monochrome sur le Sheva, ouais. Bon, ça, c'est déjà cool. Dévastation sur l'Argus. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de chance aujourd'hui. Ça serait cool de continuer comme ça. Bon, un largage de merde, bon. On va arriver déjà à la fin des clés de cryptage. Bon, déjà, enfin, on a quand même pas que deux armes. C'est pas dégueu. Hein. Hop. Elkarneux changeant de cap. Oh, beau jour sur la pharo. Bon, on a combien de doublons? Ok, on a 22. Bon. On va passer au 10 largage. Hop, allez, détruis-toi. Bon les gars, j'ai voyé. Vas-y, détruis-toi. Ça va mettre 2 heures juste pour deux petits 10 petits standards, clairement, ça me saoule. Bref, allez hop. On passe au 10 largage, qu'on fasse pas les cons à ouvrir un pot de vin. Hop. Ouh. Ok, une provoque. Pas top top. Bon, je sais pas ce qu'ils ont, c'est leur gage là, mais clairement, c'est un petit peu long. Hein. En plus, on va rien avoir, c'est archi sûr. Il y a. Ok, gravure. Wesh! Les gars, ça a bugué comme ça pour avoir la G40. Ah, franchement, je suis reflé. Je pensais vraiment qu'il y allait rien avoir. On voyait que des trucs standards défiler, un truc violet là, et au final, on tape une G40. Mais franchement, les gars, c'est un putain de pack opening. Pour l'instant, on a eu 3 armes. On n'a même pas ouvert les pots de vin. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est bon ça. Par contre, franchement, ils sont assez longs, les largages, là, sérieusement, bon. Si tu me donnes une arme à chaque coup, je suis content, mais... voilà, quoi. Poignard go sur le E-Maker. Wesh, les gars, la vidéo, elle va durer 20 minutes, hein. Putain, c'est archi long. Je sais pas pourquoi ça ouvre si lentement. Ah, c'est trop chiant. Il provoque Spectre. Spectre, ok. Je sens qu'on va pas qu'une arme encore là. Je sais pas, je le sens. Ah non, on a rien vu. Allez, let's go. Donc, franchement, je sais pas ce qu'il reste comme arme qu'on pourrait être pack de sympathique. Là chez l'XK c'est vrai que ça pouvait être pas mal. La nouvelle le fusil d'assaut aussi c'est vrai que ça pouvait être cool. Dragon de chargeur 24, c'est vrai qu'il lui manque pas grand chose franchement. Enfin d'assez cool en tout cas. Il y a le sectionnateur aussi, le petit lance dix, c'est vrai que ça ferait plaisir. Il y a le DBSR aussi. Le Manchi, bon c'est vrai que c'est pas les armes les mieux mais bon. C'est toujours des armes principales en plus hein. On arrive enfin bientôt au fin des 10 largages là. SVG processeur. Bon voilà, on a fini ça à peu près. On va refaire un peu de largage à 30 comme on a des clés. Ok, XR2 silencieux. Qu'est-ce qu'on va voir? Bon voilà, un largage de merde, on va pas se mentir.
Bon. Hein, les largages est bien nul. Bon bah voilà, on va passer directement au pot de vin. Bon, le pot de vin, quoi, on s'en fout un petit peu, clairement. J'ai pas de préférence tellement pour... Ok, on a le gaucher, bon c'est cool quoi. Mais bon voilà, bref, sans plus, de toute façon, en général on joue pas avec, on va faire un petit largage à 30, tu vois, pour faire du roll suspense. Hop, bon voilà, ok. Hop, les gars, on va passer au pot de vin. Franchement, si je peux pas qu'une arme, on va re-regarder vite fait. Pour moi, je veux pas que lâcher l'excal, je pense que c'est le truc le mieux. Hein. Je vais pas vous mentir. Là, le bric au pistolet G40, donc ça, franchement, ça peut être pas mal. Ou ça, mais après, je vois rien d'autre parce qu'il a pratiquement tout en arme principale, donc franchement, je vois rien de mieux, clairement. Faisons pas clasher l'X4, ça peut, c'est cool. Bon, let's go. Allez, donne-moi, c'est le Banshee, les gars. Bon, ok, le Banshee, bah voilà, bon, bah, c'est pas l'arme la mieux. J'ai eu sur mon compte en plus hier, voilà, franchement, c'est pas la meilleure des armes, je la trouve pas très top, mais bon. Certains l'aiment bien, donc bon, ça peut faire plaisir en tout cas, donc voilà. En tout cas, c'était pas un pack opening de merde, on a eu 5 armes, je crois, les gars. On a eu, ouais, on a eu ça, le gaucher juste avant. On a eu la G40. On a eu le broyeur de Kranz, qui me semble. Et on a eu notre arme, je crois. Le Rift 9, voilà. Donc 5 armes, franchement, ça fait plaisir. Je trouve que c'était pas un pack opening dégueulasse du tout. On a encore, dans... bon, on va refaire un petit largage alors. Un petit largage à 30, je crois, je suis pas sûr. Non, 28 clés, ok, dommage, on va faire deux petits standards, les gars. Donc, franchement, en tout cas, un pack opening qui est franchement, bah, pour ma part, que je trouve pas mal, en tout cas. Surtout qu'il n'y avait aucun code point et tout, c'est tout est gratuit, donc ça fait super plaisir. Bon, voilà, on arrive à la fin. Je vais rappeler comment participer une nouvelle fois, tu vois, je suis un forceur, mais bon. Voilà, tu tweets Blackin sur Twitter, tu lui tweets Blackin la machine. Tu le follow, la base, tu likes la vidéo, tu mets un petit Blackin la machine aussi dans les commentaires, et tu t'abonnes à la chaîne de Max qui sera en description. Bref, je vous laisse là les gars, j'espère que la petite vidéo vous aura fait plaisir. Objectif 300 likes les gars, ça serait super cool de les atteindre sur cette vidéo. Moi je vous embête pas plus, c'était Télium, je vous laisse là, allez ciao bye, peace.